XVIIIe siècle, on a une approche mécanique du vivant. Le corps est considéré comme une marionnette animée par le souffle de la vie. Par la suite, on prendra en compte le vivant en soi et du coup, la finitude du corps, l'organisme. C'est ce qui nous amène à la biologie. Le problème spécifique aux expériences biologiques est que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi sur les vivants, au risque de les tuer. On ne peut pas répéter plusieurs fois une expérience sur un sujet et, lorsqu'il meurt, c'est irréversible. On ne peut plus rien faire avec. Irréversible. On ne peut plus rien faire avec. Irréversible. On ne peut plus rien faire avec. Irréversible.